Matteo Arlenvi finalement libéré par 10 jours. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229-53-63-87-30. Bon, coucou, salut, salut, bienvenue dans ce Flash Info. Sous contrat jusqu'en 2024, Matteo Arlenvi avait demandé une libération de l'autre côté de Dijon. Notons que Dijon est descendu, bien sûr, en national et ça a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et était, bien sûr, sur le point de garder, bien sûr, Matteo Arlenvi. Matteo Arlenvi n'est plus un joueur de Dijon à présent. Vous voyez, Dijon joue en 3e division. Le milieu de terrain béninois a été libéré de ça. Dernière année de contrat, notons qu'il restait encore un an, on l'a dit, son contrat prend fin bien sûr en 2024 et l'ancien joueur de Nîmes Olympique va s'engager au FK Kurilitsi en Serbie, il va jouer en première division en Serbie, il signera dans les prochaines heures, dans les prochains jours bien sûr un contrat de 3 ans dont une année en option. Et vous voyez, il n'a pas encore signé, il a pris le gros risque de rentrer dans un bras de fer avec son club. Est-ce que ça va aller comme sur des roulettes? En tout cas, c'est un gros risque qu'il vient de prendre parce que son contrat devait prendre fin jusqu'en 2024 et Dijon vient de le libérer définitivement. Parce que vous voyez, si le joueur n'a pas envie d'évoluer dans le club et vous le gardez pensant qu'il va se donner à fond, vous vous êtes trompé. Et on a vu les cas Ben Afa au PSG dans ce cas et Ben Afa qui s'entraînait avec l'équipe réserve et tout parce qu'il y a eu un bras de fer. C'est ce qui risque bien sûr de venir aussi pour Kylian Mbappé. En tout cas, on n'en est pas là pour le cas Arlenvi. Il a été libéré si le joueur se sent apte et bon pour jouer bien sûr au FK Kukaritski, un club en Serbie. En tout cas, bon vent pour lui. On lui souhaite bonne continuation. En tout cas, donnez votre avis par rapport à cette libération de Matteo Arlenvi et son nouveau club qui va l'accueillir. Est-ce qu'il fera une grosse saison de l'autre côté de la Serbie? Donnez vos avis, je serai très content de vous lire. En tout cas, quant à moi, je vous dis à tout de suite pour un nouveau Flash Info.